Alice, au nom de l'Alliance des peuples, sa conférence de presse, là c'est la présentation de nos manifestes électoraux pour élection municipale. Comment se trouver, et bien, nos camarades journalistes peuvent suivre la campagne, c'est dans la sérénité totale et animée par une volonté pour servir les citadins qui nous finabonne la campagne électorale. Nous avons une réunion de mobilisation, nos terrains se passent très bien. Nous avons une campagne de proximité, tous nos candidats dans tout le ward, dans tout le ville. Nos terrains à plein temps et travail peut faire ensemble au nom de l'Alliance des peuples. Au fait, nous pouvons recevoir un accueil extraordinaire. D'ailleurs, nous sommes capables de comparer par rapport à l'élection générale. Nous trouvons l'accueil pas seulement avec même enthousiasme, mais surtout à la lumière de tout ce qui dit monde. Une découverte après la campagne, mais certainement le peuple dans la ville, dans les villes, peut soutenir. Par contre, de l'autre côté, on trouve MMM encore malgré tout les Vindiens qui se représentent l'avenir. Mais moi, je me posais dire. Pour le Béranger, pour espérer perpétuellement représente l'avenir, seulement dans l'opposition. Commencer un niveau de Jacob, c'est dire l'autre jour, quand nous y présentons les 120 candidats, le programme pour ma municipalité, ce n'est pas une promesse, mais un engagement ferme qui nous fait prendre avec ma citadelle. Et donc, le gouvernement, ensemble avec la municipalité, nous travaillons comme une synergie nécessaire pour qu'il nous réalise ce projet-là. Nous payons dans la ville, dans le citadin, avant tout. Et nous finissons, avant de nous préparer ce programme-là, nous finissons à l'écoute de le citadin. Nous finissons comprendre dans l'attente. Et une préoccupation. Et nous finissons autant que possible tenir en compte ça va de l'attente là, une proposition qu'il fait, qui nous finit mettre dans le programme. Comment vous trouvez, d'ailleurs, nous vous présente le programme, c'est un langage très simple, avec un projet qui nous va le réaliser. Pendant ce mandat-là. Nous sommes contents de dire qu'encore une fois, nous pouvons faire appel à la population pour qu'ils aient renouvelé, pareil comme ils ont fait pour l'élection générale, un contrat de confiance avec l'Alliance des peuples ou un renouveau dans le bas de la ville. Et nous, l'action demain, dans la municipalité, du tout autour de 12 priorités. Premier, transparence et intégrité dans la gestion de la ville. Un conseiller pour que ça adhère à une code de déontologie. Deuxième, proximité. On a hier un candidat à faire contact régulier avec un citadin. Troisième, planification et modernisation de un service essentiel. Et là, surtout, visait améliorer l'efficience au niveau de un service, coûte que coûte. Quatrième, amélioration qualité de la vie avec un fort engagement écologique. Cinquième,
facilitation du quotidien de Man Citadel à travers Man service en ligne et Man application téléchargeable. Et à ce niveau-là, au ministère même, on a une grande collaboration avec la municipalité pour nous faire l'île Maurice, mais une small island, mais bien sûr avant tout, passe à travers la small towns. Sixième, sécurité, c'est une des bonnes préoccupations qui va citadin puis exprimer à travers une collaboration encore plus étroite entre la municipalité et la police. Septième, réhabilitation de nos infrastructures existantes et construction de nos nouvelles infrastructures, telles que nos terrains de jeu, piscines, stades, gymnases, parcours de santé, bazar, etc. Huitième, introduction d'un concept cœur de ville que nous valorise diversité culturelle et artistique de nos pays. Et en même temps, dans une région spécifique, côte capable dans une zone piétonnière, côte organise une série de activités. Neuvième, construction de man Walker's Malls, moderne. D'ailleurs, ça, c'est un projet de longue date. Et certainement, cette fois-ci, nous parlons, convaincre qu'il va réaliser sa projet-là. Dixième, construction de man crèches et garderies, plus particulièrement de man région défavorisée, pour faciliter la garde de man enfants. Onzième, mettre en place un service dédié à man PME, man les autres opérateurs économiques, qui vous facilite la démarche administrative qui relève de la municipalité. Et deuxième, finalement, c'est consolidation de la démocratie régionale. Comme on nous a dit hier, nous pour revoir de fond en comble le Local Government Act et qui nous vient avec la loi qui vous donne plus d'autonomie à la collectivité locale. Donc voilà les 12 priorités de l'Alliance Les Peuples pour le Ban de la Ville. On veut dire une gestion saine, transparente, pour redresser, pour innover, bien sûr, prendre un citadin on board, avec une politique de proximité que nous mettons l'emphase sur l'aspect environnemental et tout cela commence à trouver une partie de notre projet qui est détaillé dans nos programmes. Alors, pour dire quelques mots, nos campagnes qui dérivent actuellement, nous pouvons dire dans toute solidarité, camarade Xavier, à Ivan, nous-mêmes, avec ça, l'équipe unie contre le terrain et nous motos, c'est bien sûr soutenir l'Alliance des Peuples. Et de l'autre côté, nous trouvons encore une fois un même qui est attiré en alliance avec le Parti travailliste, qui après l'élection générale, il trouve le Parti travailliste comme seul responsable des autres défaites, et qui s'audit, Paul Béranger peut faire semblant. Parce qu'il peut faire semblant comme s'il dirait lui seul, alors qu'il ne tout connaît, qu'il y fait l'arrangement entre lui-même et Amin Aboula. D'ailleurs, Paul Béranger d'un côté, pour le cassier, mais de l'autre côté, pourquoi on ne voit pas la vérité sortie de ce propre la bouche, ben, lui-même l'inadmet qu'il y a une cause causée entre Adja et Tanis
avec Orvin Goulet, quand trouve qui est un membre de l'exécutif et parlementaire travailliste, qui peut donner un mot qui peut donner une directive pour soutenir MMM, et quand on nous trouve surtout en cours, Paul Béranger peut continuer les fans d'Armin Rangoula. Parce qu'il dit, Paul Béranger, que le gouvernement peut faire rire parce qu'il nous peut nettoyer pour tirer les anciens régimes. Donc ça aussi, c'est à nous démontrer clairement comment il peut continuer les fans d'Armin Rangoula. Quand même, j'ai besoin de faire misier, j'ai besoin de faire ce qu'il dit hier pendant la dernière campagne électorale ou élection générale, il est bougé. Divan, il va bouger par derrière, et qu'il partage les mêmes valeurs qu'il avait dans Angoula. Et ils ont tout le temps qualifié l'île Maurice comme un pays fort, un pays moderne, alors qu'ils ont dit, nous trouvons effectivement un côté que l'Amérique Angoula a mis dans ce pays-là. Et l'autre côté, la complicité de Paul Béranger, parce qu'il nous a oublié en 2014, presque une bonne année, un parlement, parce qu'il prend un parlement en otage, et qu'il se tient en complicité de ce que roule ce pays-là. Donc, le peuple byzantin, encore une fois, non à culture Alibaba, à l'immoralité et à la trahison. Et encore une fois, byzantin, sanctionne Paul Béranger pour ce même zigzag et pour ce même langage contradictoire. Au fait, l'avenir, tout le monde peut trouver. Et tout le monde reconnaît l'avenir et avec l'alliance des pays. Merci et voilà le plaisir. Passe la parole à Ronald. Et la ville, c'est un choix de vivre, une qualité de vie, un style de vie, un environnement. Et aujourd'hui, nous tenons à nous à quel point la ville répond aux attentes de la population. Parce que quand nous avons un peu performance dans la ville en termes d'attirer la population, nous trouvons que dans la dernière recensement, en 2000 à 2011, qu'il y a une baisse de la population par la ville. Pour lui, par exemple, il sortit 144 000 d'immobiles, il arrive 137 000 habitants. Pour Vassin-Rosine, 104 000, il arrive 103 000. Kepi, 79 000, 77 000, jusqu'à Gaulle, distant. Donc, il y a une question de demander, donc, est-ce qu'il va arriver pour répondre vraiment à ce que Paris Citadel peut voler. Il nous a dit aussi qu'il n'a pas arrivé plus prise équipe de travail, par exemple, 4 bons, on répond à ça, sur prix terrain, à peu près 40% plus que Rosine. Donc ça a aussi montré que la ville plus performe bien en termes de l'attractivité que dans les autres villes. Donc, comment nous concevoir tout cela? Nous avons devant nous 6 prochaines années. Pour un conseiller qui peut être élu le 14, qui peut être élu le 14 juin, pour être dans 6 ans pour concevoir et concrétiser la ville de demain. Une ville où on prend le maître mot, c'est une ville, la ville où il fait bon de vivre, où il fait bon de vivre. Donc comment nous trouvons ça la ville-là, en se trouvant dans le programme et en se généralité? Un espace cœur de ville, premièrement. Un espace cœur de ville que nous réanime la ville. Parce qu'il nous vient dire aussi dans un centre commercial, maintenant en tout cas, on peut pas faire la bagatelle, je sais pas, et la croisée, etc., que plutôt un cœur de ville. Donc réfère ville devant la ville face à la concurrence qui nous est là, par exemple devant le centre commercial. Et il est important. Donc, redonner vie à sa cœur de ville là, avec un commerce, avec l'administration lui-même, un bureau administratif, la restauration, un centre de loisirs, un gymnase, et assurez-vous que ça, ce cœur de ville là, est connecté avec la périphérie. Donc, c'est ça le concept, un cœur de ville, aussi comme en France, un square, etc. Mais là, il n'est pas pour ça, mais il dit quand même un espace défini
pour concentrer par une activité pour la population préfère la villa vivre. Ce qu'on a fait, donc, nous autant de faubourgs, devant le faubourg, qui demande bruit dans le centre-ville. Et non, sa perception, là, sa vrai problème, qui quand on passe dans la ville, on rentre dans la rue au centre-ville, bien propre, dès qu'il tombe devant le faubourg, devant la périphérie, là, c'est un amas de saleté, terrain en friche, c'est pas à faire. Mais dans sa perception, il est cassé, qui est aussi une réalité, qui va le faubourg, moins d'attention qui va le centre-ville, donc s'assurer qu'il, et ça c'est important pour l'intégration sociale aussi, qu'il nous capable dans le même type d'environnement, devant le faubourg, devant la ville, devant le périphérique, devant la ville. Donc, l'environnement est important, un environnement sain et clé, pas un terrain en friche, ça a dès qu'il est ramassé, il y a même un peu de sécurité, sécuritaire, il y a même aussi bien sûr pas de maladie, un cas de dengue, etc. récemment. Donc l'environnement propre, faire l'effet que le terrain en friche c'est quelque chose du passé, finir ça, l'éclairage et, pareil pour le faire en 4 mois, s'assurer qu'il y a une caméra de sécurité, tant que possible. Aujourd'hui, toute la ville dans le monde est dans une caméra, mais nous, en retard, nous sommes projet. Mais nous pensons aussi pas le petit du monde, quand le peuple en semaine est cassé, on même dire pas semaine, les trottoirs, très peu de gens causent trottoirs. Alors qu'il n'y a pas encore pour lui des derniers trottoirs. Donc, trottoirs, abribus, pensez à tout le monde dans la ville, pas juste avant du monde qui paraît plus visible, mais tout à tout. Dans le même cas, dans la même chose que Ravine vient de dire, crèche de Rodri. Il y a un important qui est capable d'offrir sa service. Ça, c'est très prisé. Crèche de Rodri, avant de prix raisonnable, crèche de Rodri municipal, très prisé. Dis-moi, on adore ça, mais il y en a très peu. Ils aiment nous donner chance dans nos enfants, ouverts d'esprit, dès l'âge de 1 an, jusqu'à 3 ans, après une grande primaire, mais aussi, ils sont capables d'acheter nous un moment et une occasion pour le travail, en licence devant les enfants, toute sécurité. Une autre affaire que j'ai important de causer, c'est le sport. Et là, vous pensez, une bizarre, mettre le maximum, c'est un avis mieux que d'autres, c'est mettre le maximum sur une aménité sportive, un gymnase en décrépitude, un terrain de foot, même seul pour la plupart des autres fermés comme ça. Et donc, le point de sport, pour nous, c'est une priorité, avec bien sûr le nombre, le plan de cerveau, pour venir au circulation routière. Ça, c'est obvious, hein, qu'il faut bien régler ça. Et, sans oublier la culture. Quand aujourd'hui, on parle qu'il y a une bonne pièce qui est à ta porte, mais nous avons la culture. Donc, comment un candidat par poche, ça pour vous dire, qui ça va être fait, qui peut discuter aujourd'hui et qui peut distribuer, si les villes, on dirait, formalisent un exercice et un programme, un projet qui peut discuter à travers l'île depuis campagne électorale, à travers la ville depuis campagne électorale, ils viennent formaliser ça aujourd'hui, ils viennent sceller un engagement qu'on peut prendre en toute confiance avec la population. Le fil conducteur de l'action, 6 prochaines années, c'est quoi? La proximité, le dialogue constant, le dialogue permanent. Parce que c'est pas un citadin, quand on vient pas de problème, c'est pas un problème de proximité. Il y a un terrain poussé, la lumière pas allumée, terrain en friche, permis de construire, permis de gagner, etc. Même il y a trop beaucoup. C'est pas un problème de proximité, il y a extrêmement important qui va nous conseiller, va nous conseiller de proximité, et d'ailleurs, vous demandez tout le monde conseiller, recevoir le public. On pense à un projet qui va débuter le recevoir public, pas tout comment, on pense tout conseiller, mais il y a un jour par semaine, un jour, tu es des semaines, il faut recevoir le public. Donc, c'est pas un problème de quartier qu'ils ont besoin, principalement, régler par la vision pour la ville. Il est important donc ce dialogue-là, le dialogue avec les citoyens, avec les citadins, mais aussi le dialogue avec le gouvernement. Moi, particulièrement, comme je disais, on gagne pas mal de problèmes quand on gagne la mairie qui peut faire politique au lieu de faire travail. On prend 2-3 cas. Genre, résidence Père-Laval, vous savez, aménager un jardin, commence à aménager tout. Qui, par contre, n'a rien, la municipalité 4 bornes, sous le maire Bimadou, tient un stock-order que nous aménage le jardin.
ça ne se fait pas. Et le cas reprend, la caisse s'est évanouie. Moi, en tant que ministre de l'Intérêt social, ouvre la presse. Et comment je n'ai pas été changé, referme la presse. Qui perd là, c'est l'habitant de l'endroit, bien sûr. Donc, ce constant dialogue avec le gouvernement là est très important pour que personne ne permette la roue et l'abandon dans la roue. On finit par dire comme ça que moi, on peut noter un certain découragement du MMM dans cette année. Je crois que ça tout la ville, dans cette année, il y avait même un découragement du MMM, presque tout la ville pendant la vérité. Pareil comme au général. Je vous rappelle, l'élection générale, gros rappel, d'ailleurs, c'est peut faire. Faire réunion, de faire congrès. Ici, un petit divan, quelqu'un qui n'a pas l'idée, va pas finir ce décongrès à l'idée. Mais ça, c'est deux qui nous trouvent dans le journal et dans bien sûr, partout. Donc, nous trouvons qui le cœur n'y est pas. Alors là, ça peut arriver, simplement un petit problème de tempérie et une campagne électorale arrêtée, c'est un découragement. Donc, avec ce meeting, etc., annulé, nous trouvons aussi pas mal de régionales, etc., préférées, encore préférées. Et vient vers l'alliance sociale. Donc, l'alliance. Sorry. Maintenant, un dernier affaire, on vient dire, qui elle-même finit dans une trace d'incompétence dans beaucoup de la ville. On parle juste de trois quelques. Cette trace d'incompétence, moi, c'est Forum et la Goriane Palat. À quatre mois, c'était à la fête pour nous le faire entièrement. À Rosil, Plaza, comme si le ministre des Finances ne finisse pas aider. Et même 40 millions d'euros qui pourraient faire Plaza, jamais ne sont pas dépensés là-bas. Et encore un, dans des discours d'école de boxe. Ah, pour lui, nous constate l'abandon de la peine d'air, l'abandon aussi des Roche-Bois, même sa jolie jardin, sa gare étendue qui nous fait là, et délabré. Donc, pour ces raisons, il y a 500 000 personnes qui sont affectées par ces élections-là pour les prochains 6 ans. Réitère l'importance des élections municipales pour la population, pour la qualité de vie, pour la vie de tous les jours, pour le style et l'environnement. Et donc demande tout à nos camarades, important qu'ils nous votent pour chaque, qu'ils nous prennent chaque municipalité, tous les 5 municipalités, et qui nous capables pour tous nos 4 candidats, sans couper français, parce que c'est important qu'ils se battent la ville. Et le gouvernement capable de travailler main dans la main pour les prochaines années. Merci beaucoup. La société noire a toujours une parole qui est exprimée par Ravine et Xavier, qui veut faire un exposé complet de la situation de Nouvelle-Ville. Nous, action politique, depuis que l'Alliance libère au pouvoir, pour démontrer d'abord le désir d'améliorer la qualité de la vie de tout bon citoyen, qui dit citadin, qui dit habitant de région rurale. C'est pour ça que la grande action, un grand pôle d'action, par exemple, pension vieillesse, augmentation de salaire, congé maternité, là où allège la souffrance de mal citoyen. Mais sa souffrance est encore plus accentuée dans les villes. Il y a assez choquant qu'on voit dans ma poche de pauvreté dans les villes, vous trouvez dans quel état d'abandon mal citoyen de ce pays fut dressé pendant ces derniers 10 ans. Et maintenant, il y a un programme d'élimination de pauvreté qui pointe à prix, pas seulement dans les villes, mais pas seulement dans les régions urbaines, mais également dans les régions rurales. À part de ça, grand pôle de développement, il y a également le pôle de développement sécuritaire. Dans les deuxièmes affaires qui, ban citadins, sont extrêmement concernés, c'est la sécurité. C'est la petite criminalité. Ça veut dire un petit drogué, un petit voleur, un petit pickpocket, mais qui crée beaucoup d'égards dans ces bandits-là, ces bandits au contrôle, et c'est ça même qui permet parfois un meurtre et un assassinat.
Donc au niveau de la sécurité dans les villes, ça qui vous prônez, c'est un grand espace entre communication avec la police, community policing. Nous rappelle qui Raj Dayal à l'époque, qui commence sa community policing avec beaucoup de succès, nous puissions continuer, qui nous gagne tout un habitant ensemble, pour qui nous améliore le degré de la sécurité dans les faubourgs. Mais dans le centre-ville également, parce qu'il y a un habitant de faubourg qui allait dans le centre-ville pour faire ce pas achat, et là, je me sentis encore plus en insécurité, parce qu'il faut que je me sentis quand même dans un endroit, là, je suis sorti comme ça. Et le bizarre mettre l'accent dans sa niveau d'intervention de l'État. La municipalité, pour Emma, va conseiller les peuples. Va conseiller qui pour à l'écoute des bons citoyens. Et nous, nous travaillons ensemble, le gouvernement central et les conseillers, nous travaillons ensemble pour qu'ils nous saignent et qu'ils nous assiennent, qui nous mettent sur place le programme de développement des villes qui est basé surtout sur la confiance. Au-delà de ça, sur le terrain, nous pensons que nous constatons la désintégration du MMM. À part quelques endroits, nous trouvons une désaffectation des habitants envers le MMM. Et ben, l'habitant, il finit décidé qu'ils ne sont pas capables victimes de la désintégration du MMM. Azor dit même, nous allons dire, dans numéro 16, nous finissons là dans la désaffectation en haut. Et ça peut continuer de jour en jour. L'hémorragie n'est pas capable d'arrêter, mais ce qui est plus grave, c'est l'arrogance en laquelle ben, dirigeant MMM, et cause avec ma citadin. Vous ne connaissez pas quand je croirais cause en citadin avec sa degré d'arrogance. Et il y a quelque chose qui fait à moi, personnellement, et aussi à tous nos bons camarades, beaucoup la peine. Parce qu'il y a certains endroits, et la haine dirigeant en particulier, qui fait même une campagne de haine communale dans la communauté musulmane. Vous faire appel à vos bons camarades. Pas rentrer dans sa guise. En même temps, on rend hommage avec votre candidat MMM de certaines boîtes qui se rentrent dans sa guise. Mais même s'il y a une grande division dans le langage qui est adopté, le fait est qu'il y a un dirigeant MMM qui jamais nous pas fait trouver sa qualité langage communal d'un parti qui tient responsable. Nous notons sa qualité langage dans les passés avec un des partis rétrogrades. Mais certainement, nous ne partions pas ça d'un parti comme le MMM. Il n'y a pas trop tard pour ressaisir. Vos pensées et vos faire appel, et camarades là, pour comprendre qui ça n'a mauvais visé, qui vous connaît, qui s'en a dit, et vous faire appel à qui. Ramas Solana n'a pas relevé la prise communale dans sa pays. Personne n'a pas pu sauter gagnant là-dedans. Mal citadin n'a pas pu rentrer dans sa pays là, et mal citadin donne son verdict, l'étant les 14e bisavis de l'autre. Mais entre-temps, le mal capable de faire bien grave. Et donc, tout mon camarade qui ont le terrain avertit nos camarades électeurs qu'il ne faudrait pas nous prendre ça à la misère, c'est une affaire qui nous puisse prendre avec beaucoup de sérieux. Pour conclure, il est clair dans tout le monde de la ville, dans tout le monde de la ville, qu'il est même infini rentable. Et là, un de l'endroit, à cause de ma personnalité et de ma individualité, et là, un de l'endroit où
trouve, comment dire, un petit papillon de l'été. Mais il va au-delà de ça, il va au-delà de 3-4 familles. Hier, nous dit Mangalcan dans circonscription numéro 16, il est extraordinaire, sa qualité, mobilisation, organisation qui témoigne. Donc c'est avec beaucoup de confiance qui, premièrement, l'annonce du programme et, deuxièmement, voir fondre les derniers 15 jours à peu près qui restaient dans la journée électorale. Une cause de sécurité d'Urban Laville. Est-ce qu'il y a un projet de police municipale? Parce que je me trouvais un petit parti. Il me propose ça dans le programme et c'est encore présent. On retrouve le programme. Est-ce que le projet de police municipale aussi, ça ne fait-il dans la tête de l'Alliance EPEP? Vous voulez dire milice populaire? Non, je veux dire police municipale, pas milice populaire. Bon. Et donc, je vais vous dire, vous avez un boutade, parce que vous devez faire attention. Dans certains pays, ça file bien loin. D'ailleurs, en France, c'est une institution qui marche très très bien. Vous passez si pas dans le pays a prêt pour accepter une police locale avec un chef de police local. Donc, évidemment, un débat capable de lancer long la question. Mais vous ne pas croire que c'est le moment d'avancer le débat. Et puis aujourd'hui, on a un moyen technologique comme une caméra, etc., qui va bien lutter que la caméra, quand même, qui est important, va bien le faire ça. J'attends que ça, je peux descendre sur le terrain durant la campagne, mais les jours en campagne. Pas bien, selon ce livre, selon la disponibilité. En tout cas, nous, comme leaders des trois parties, nous plaignons au terrain. Travail à BFR. Carré. Est-ce qu'il y a un label plus difficile qu'un autre ou bien? Pas vraiment. Pourquoi? En tout cas, ce qui nous peut trouver qui. Toutes les cinq labels nous aident à la victoire. On a l'impression que toujours reste un problème. Ah, certainement, le monde quotidien, au départ même, qui. C'est l'abstention qui prouve l'adversaire, parce qu'il est individuel. Le passé, nous avons un pourcentage de vote. Et surtout, pour faire un appel, là, surtout nous avons un partisan, parce qu'il a une confiance extraordinaire, qui a un optimisme, qui sa élection là, nous faire le valier capo. Mais voter, qui prend conscience, qui élection gagnée quand tout le monde allait voter, et quand Casbah comptait les bas qui nous gagnent l'élection. Donc, tout le monde mis à l'eau de l'air et faire ce devoir, surtout notre citoyen, faire ce devoir de côté. Est-ce que, en cas d'une grande victoire, c'est-à-dire de bailler tout, de finir d'anticiper ma mère pour le moment? Mais ça, il faut venir après. Est-ce que vous avez la victoire avant? Tu vas faire comment elle va même pas travailler si tu fais 60-0, tu finis choisir. Hein, costume président, c'est quand tu finis taillé, premier ministre aussi, c'est une unité. Non, pas comme ça. Différent. Vous pensez que l'arrivée de Mme Fakim à la présidence aide à l'Alliance? C'est ça, il faut vous donner la paix. Comment dire, quand vous êtes mélangé, causé, pourquoi il n'est pas courant qu'il appelle la démocratie? Nous passons à une élection générale. Nous présentons nos candidats à la présidence, nous dire futur président de la République pour Mme Karim Fakim. Les mêmes ont voté une écrasante majorité. Évidemment, en respect pour l'institution, nous finissons attendre parce qu'il y a déjà un an Kailash Payag comme président. Mais Kailash Payag est missionné à nous qui nous faisons faire. Nous devons respecter la volonté de la population. Donc on ne pas comprendre ça, causer de Béranger. En même temps, il oublie une situation difficile là, vous voyez Béranger pour aider. En même temps, il est pour, en même temps, il est contre. Parce qu'il est pour, il
Il dit oui. Après, il dit, mais tu fais un cas pour y aller démissionner. Quand il y a un cas pour y aller, tu peux y rester. Mais nous, en tout cas, la volonté de la population, voilà concrètement, le plus tôt qu'il est capable de traduire ça et de faire lire concrètement qui est. Et du coup, nous grand l'honneur pour nous, l'Alliance des Peuples avant tout, et pour le pays. Et encore une fois, nous faire l'histoire, première fois, c'est une femme qui occupe la présidence de la République. Mais ça aussi, vous pouvez comprendre, en même temps, il peut dire qu'il faut, en même temps, il peut dire qu'il fait qu'à la soirée fermée. Il peut content de nous aussi. C'est là, bien sûr. Mais il peut lancer faire un affaire purement pour les besoins politiques. Merci.